Urge, défaillance du Soyouz, la commission pour les accidents annonce les résultats de l'enquête. Elle Média ont appris où les Macron passeraient leurs vacances imprévues. Et ça est à Honfleur que le couple présidentiel français se rendra pour quelques jours de repos, selon Ouest France. Plus tôt, le président avait annoncé son intention inopinée de faire une pause. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se rendront à la ferme Saint-Siméon, à Honfleur, pour un court repos, informe Ouest France. Selon le journal, ils doivent y arriver ce mercredi soir ou le jeudi 2 novembre avant de revenir travailler dimanche. Malgré les nombreuses spéculations suscitées par l'annonce imprévue d'Emmanuel Macron de prendre une pause de 6 jours, une source au sein de l'entourage du président, citée par Ouest France, a assuré que ce déplacement était prévu d'avance. Ce n'est pas une décision subite, c'est quelque chose qui était anticipé depuis très longtemps, il n'y a pas de coup de fatigue mais oui, il gère l'effort, a précisé une source au sein de l'entourage du président français citée par le média. De nombreux internautes estiment toutefois qu'Emmanuel Macron aurait un coup de pompe, certains internautes se demandent qui payera les frais de ce voyage. Selon Ouest France, une nuit dans une suite avec vue sur la mer dans cette auberge coûte jusqu'à 1 500 €. Il y a un an, le président et la première dame française y ont résidé pendant quelques jours avant de se rendre à la Transat Jacques Vabre, au Havre.